nos intentions, c'est d'expliquer au Premier ministre que son plan de redressement des comptes publics n'est pas le bon. Il n'est pas le bon, d'une part, parce qu'il est inégal. À l'inverse de ce que j'entends depuis ce matin, les salariés sont mis à contribution. Je pense en particulier à la taxation de la part du gouvernement des mutuelles, 1,2 milliard, ce qui est 6 fois plus que ce qu'on demande aux plus riches dans notre pays. Et ça, ça sera payé intégralement par les salariés. Nous allons faire deux types de propositions. D'une part, des propositions pour dégager des moyens pour soutenir les salariés et les entreprises en difficulté, il ne faut pas l'oublier dans une période compliquée, et d'autre part, des mesures de financement pour réduire la dette, en particulier une nouvelle tranche d'imposition pour les revenus, qui rapportera celle-là, mais aussi la suppression de la mesure supplémentaire.